principal. Merci. Donc on va vous raconter ce que nous avons vécu, comme l'a dit, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est arrivé en 1933, à partir de 1933 en Europe, deux événements inimaginables qui n'auraient jamais dû arriver dans l'histoire de l'humanité. Le premier, c'est il y a des élections démocratiques, comme celles qu'on a eues en France l'an dernier, celles qu'on va avoir l'an prochain pour les régionales, c'est des élections démocratiques. Il y a trois partis qui se présentent. Et il y a un parti, le parti nazi, qui dit, lui, ouvertement, il dit, eh bien, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens supérieurs, des gens inférieurs. Alors qu'il dit, il y a des races même chez les humains. Il n'y a pas de race chez les humains. On est tous des humains. Il n'y a pas des gens inférieurs, il n'y a pas de gens supérieurs. Eux, ils disent si. Si, si. Et vous verrez, une fois qu'on aura éliminé les gens inférieurs, eh bien, tout ira mieux. Bien sûr que ce n'est pas vrai. Mais ce parti-là, le parti nazi, va être élu avec un peu plus du tiers des voix, 34% des voix. Ils vont être élus. Et immédiatement, ils vont appliquer ce pourquoi ils ont été élus, ce qu'ils ont dit. Et donc, ils vont faire la deuxième chose inimaginable. C'est les nazis, le parti nazi au pouvoir en Allemagne. Ils vont construire des usines. Des usines, pas pour faire des vêtements, pas pour faire des meubles, pas pour faire des voitures, non. Des usines pour assassiner, mettre à mort des hommes, des femmes, des enfants de façon industrielle, c'est-à-dire le plus rapidement possible. Ils vont construire des chambres à gaz, des fours crématoires. C'est cette histoire qu'on va vous raconter avec nous. Nous sommes nés en France, tous les deux, et particulièrement Roger. L'histoire qu'il va vous raconter, ça s'est passé à 300 mètres d'ici, Chemin des Pins. Voilà. Quelques-uns habitent peut-être Chemin des Pins, là, non? Tout à l'heure, il y avait un élève qui habitait. Il y en avait plusieurs. C'est en bas du musée Chagall, donc c'est pas loin de chez vous. Ça marche? Oui, ça marche. Bon, ben, je vais. D'abord, on va vous tenir pendant une petite heure. Donc, on va essayer d'être bref et puis vous dire l'essentiel. Enfin, pour moi, l'essentiel, donc, par rapport à vous, c'est de vous parler de notre séjour à Nice, ma famille et moi. En 1943, ma maman nous a fait venir, mon frère et moi. Mon frère, il a 7 ans de plus que moi, donc en 1943, il a 12 ans, et moi, j'ai 5 ans. Elle nous a fait venir depuis la Bretagne. Nous étions une famille en Bretagne. Il faut dire que la France est coupée en deux à cette époque-là. À cette époque-là, la France a perdu la guerre en 1940, et donc il y a le nord, la zone occupée, et le sud, zone libre. Mais libre, vous allez voir, ça veut dire liberté, mais en cette époque-là, ça ne voulait pas dire liberté. Et juste pour situer les choses, en 1940, lorsque la France a perdu la guerre, c'est le maréchal Pétain qui vient au pouvoir, et il forme un nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement avec des ministères, comme ça se fait, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé. Sauf qu'à ce moment-là, il va créer un nouveau ministère qui s'appelle le Commissariat général aux questions juives. Ça veut dire que ce nouveau ministère, il va faire que des lois qui concernent les juifs et des lois, bien sûr, anti-juives, contre les juifs. Ces lois, elles ont précédé celles d'Allemagne. Alors, savoir aussi que l'Allemagne est nazie, mais beaucoup de pays en Europe sont très proches des idées nazies. La Pologne, la Hongrie, l'Ukraine, j'en passe des meilleurs. Il y a un gouvernement nationaliste en Italie, Mussolini.
Donc ici, à Nice, on est sous occupation en 1943 italienne. Les Italiens ne pratiquent pas la discrimination. Pourtant, ils ont fait des lois aussi, qu'ils appliquent chez eux, mais pas ici en France. Ils ont, je dirais, une volonté d'indépendance par rapport et aux nazis et au gouvernement de la France. En 1943, donc au mois de septembre, néanmoins, ils s'en vont. Ils s'en vont de la zone d'occupation qui leur était dévolue par les nazis. Ils s'en vont, ils retournent en Italie. Alors immédiatement arrivent les Allemands. Mais dans les heures qui suivent le départ des Italiens, de l'armée italienne, les Allemands arrivent. Alors ce n'est pas des Allemands, c'est pas une armée qui arrive, ce sont des officiers SS, très aguerris à la chasse aux Juifs. Ils viennent à Nice parce que, également, à Nice, il y a un bon terreau, je dirais. Il y a des dénonciateurs, il y a la milice qui a été créée ici, la milice nationale a été créée à Nice. On peut compter sur l'administration. Donc les nazis viennent ici, et avec seule volonté, d'arrêter les Juifs. Ils ont fait aussi des arrestations dans la résistance. Il y avait assez peu de résistance. Hein. C'était des zones libres. Il n'y avait pas de raison spéciale d'être résistant. Les gens ne se rendaient pas forcément compte que c'était la guerre, qu'il y avait la guerre. Une anecdote, une vieille personne qui me disait qu'elle allait danser pendant la période de l'occupation. Les bals étaient interdits pour autant, mais bals clandestins. Elle allait danser, donc l'esprit était léger. Ce qui est arrivé, c'est que les Allemands, très aguerris, je vous ai dit, à la chasse aux Juifs, ont fait des arrestations. Ces arrestations conduisaient les gens à l'hôtel Excelsior, près de la Gartière, puis de l'hôtel. Quelques jours après, on les emmenait à la gare, et là, dans des trains de marchandises souvent, quelquefois des trains de voyageurs, pas souvent, on emmenait les gens à Drancy, en région parisienne. Drancy, c'était la plaque tournante du massacre, hein, carrément, hein, de la déportation vers les grands camps de Pologne en particulier, et Auschwitz en particulier. Donc, ma famille et moi, on habite Chemin des Pins. On vient, mon frère et moi, de Bretagne. Il y a une deuxième carte. Chemin des Pins habite donc une sœur de ma mère, son mari, les enfants, donc les cousines, ma maman. Quand les Allemands sont arrivés, ma maman nous a fait partir, mon frère et moi, du Chemin des Pins, pour aller rejoindre un parent qui était à Lyon. Et on est allé donc à Lyon, on a pris le train. Alors sachez que ma maman n'a pas voulu venir avec nous ce jour-là parce qu'elle préférait, je dirais, ne pas voyager en même temps que nous dans le sens où l'arrestation va entraîner tout le monde. Donc c'était pour se prémunir de ce drame qui pouvait arriver. On est pris en main par une personne niçoise, certainement, qui a été payée pour nous emmener à Lyon. Ma maman, je vous ai dit, elle devait venir. Également, pourquoi elle n'est pas venue, c'est que à Marseille, et le train, tout le monde descendait, obligatoire, et obligatoirement contrôlé. Il n'y avait pas d'échappatoire. Ce jour-là, le train, quand on est parti, nous, mon frère et moi, il n'a pas eu de contrôle à Marseille. Ma maman aurait pu venir. Chemin des Pins, donc pas très loin d'ici, une voiture d'un côté, une voiture de l'autre, ça ferme complètement la rue. L'arrestation est brutale. On emmène les enfants, les adultes. Ma maman tente de s'échapper en sautant par une fenêtre dans le jardin derrière, elle se blesse et elle est récupérée par les Allemands. Ils sont conduits à l'hôtel Excelsior et pratiquement rapidement aussi, entre l'arrestation
Et son décès à Auschwitz, ma maman et ses sœurs et son beau-frère et les enfants, il a dû se passer 12 jours. Traverser toute l'Europe pour aller en Pologne et monter à Paris en train. Donc tout ce voyage, ce périple a été pénible, fatigant, épuisant, inhumain. Dans les trains qui les ont conduits à Auschwitz, c'était la promiscuité, c'était le manque de place, comme on dit. Ils étaient obligés d'être debout, pas moyen de s'asseoir, pas moyen de s'allonger. Il y avait toutes sortes de gens, des malades aussi. Donc, le voyage fatal nous amène à Auschwitz. Et à Auschwitz, c'est des gens qui ne sont pas sélectionnés pour travailler. Parce qu'il y avait des trains qui arrivaient tous les jours, tous les jours, tous les jours à Auschwitz. Plusieurs dizaines de trains, peut-être. Il y a une carte d'Auschwitz. Donc les trains venaient de toute l'Europe et les Allemands, selon le besoin, ils tuaient tout le monde à l'arrivée dans le camp, c'est-à-dire chambre à gaz, four crématoire ensuite. Quelquefois, ils gardaient quelques personnes. À l'arrivée d'un train à Auschwitz, d'un train de marchandises, il y avait ce qu'on appelait la sélection. Des gens qui arrivaient, ils avaient voyagé 3 jours et 3 nuits, comme disait Roger, dans des conditions inhumaines. Il y avait quelqu'un derrière une table. Et donc les déportés, ceux qui étaient dans les trains, arrivaient. Tous les enfants, avant 18 ans, ils allaient dans la colonne qui allait vers les chambres à gaz et les fours crématoires. Dans l'autre, chez les adultes, ceux qui étaient en âge de travailler ou suffisamment costauds, on les mettait de l'autre côté. Dans les trains, dans le train de ton père de Rocher, il vous le dira, il y a eu très peu de gens qui étaient destiné à aller au travail. La plupart, c'est-à-dire 90-95% des arrivants, tous les enfants d'abord, mais ensuite ceux qui n'étaient, selon la personne qui était là, qui était soi-disant un médecin, qui sélectionnait, c'est pour ça que le mot sélection, ça nous fait mal à la bouche de le prononcer, parce que ça nous rappelle ce qu'ont vécu nos parents. Tout ce qui était sélectionné, c'est-à-dire presque la totalité du train, était dans la colonne de droite avec les enfants. Le même jour, souvent, ils étaient exterminés. Chambre à gaz et four crématoire. Alors, tout ça avait été pensé, organisé. C'était le génie allemand. Les grands industriels d'Allemagne, qui sont toujours là d'ailleurs, enfin, leur société, que ça s'appelle Mercedes ou autre, cotisait au parti nazi très largement. Ça aidait l'effort de guerre. Alors, donc ma famille est arrêtée, elle se retrouve à Drancy, en région parisienne, puis de Drancy à Auschwitz. Disparue. Daniel vient de le dire, c'était très court voyage, malgré tout. Mon père, lui, il était parti avant pour rejoindre la zone libre. Il voulait aller à Nice. Mon frère et moi, nous étions en Bretagne. Il n'a pas réussi à passer la ligne de démarcation, c'est-à-dire la frontière entre la zone nord et la zone sud. Et il a été arrêté par la Feldgendarmerie, la gendarmerie allemande. Voilà, il a été arrêté par ici. Oui, vers Chalon-sur-Saône. La ligne de démarcation, c'est une frontière, hein, ça. Il y a des gendarmes à tous les points de passage, il y a des policiers. D'un côté, il y a les Français, de l'autre côté, les Allemands. OK. Bon, mon père est arrêté, il se retrouve enfermé à Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône ensuite à Pithiviers, direction... inconnu,
Puis l'inconnu, c'était le retour en Pologne, parce qu'il était né en Pologne, mon père. Ma mère aussi, d'ailleurs. Dans son train, il y avait 1066 personnes. On connaît bien tous ces chiffres, tout le détail administratif des convois, grâce à un monsieur qui s'appelle Serge Carson, qui a travaillé, qui travaille, qui continue de travailler pour la mémoire et faire des recherches. Il fait des recherches et il trouve. Donc, ils sont 1066 dans le train. Une soixantaine sont sélectionnés pour travailler. Mon père porte le numéro 57781, tatoué sur son bras. Il n'a plus d'identité, c'est seulement ça son identité. Il n'appartient plus à l'humanité d'ailleurs, parce qu'ils sont tellement maltraités qu'ils ont des conduites eux-mêmes qu'aujourd'hui on ne comprend pas. Hein. Les gens qui sont dans la faim, la misère, la soif, la maladie, ont des réactions pas toujours très jolies, hein. Mais c'est comme ça, pas autrement. Les chiffres que je pourrais vous donner, le chiffre que je pourrais vous donner encore, c'est que donc 1066, 60 au travail, à la fin de la guerre, 5 femmes ont survécu. Et un seul homme, c'était mon père. Le hasard, c'est comme ça. Alors personne ne sait pourquoi, comment. C'est pas la religion, c'est pas la collaboration, la malice spécialement. Mon père a survécu. Il a survécu d'autres camps en plus. Il n'a pas fait qu'un seul camp, plusieurs camps. Bon, ce que l'on veut vous montrer, c'est que l'organisation allemande de destruction du peuple juif était parfaitement programmée et aidée également par beaucoup de pays en Europe. Alors, les pays en Europe en question, la Hongrie, la Pologne, l'Italie quelque part, puisqu'ils ont fait des lois d'exception aussi, l'Autriche et la France. Alors la France a même précédé les lois nazies. L'autorité française, c'était plus la République, a décidé de faire ses propres lois. Alors, et les lois en question... Oui, parce que ces choses-là sont venues progressivement. Ce n'est pas venu d'un seul coup. Quand la France a perdu la guerre en 1940 et la France est coupée en deux, c'est le maréchal Pétain qui arrive au pouvoir. Le maréchal Pétain, quand il arrive au pouvoir, il va faire des ministères, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Transports, le ministère de la Santé. Et puis il va faire un autre ministère qui a existé une seule fois dans l'existence de la France. Ça s'appelle le Commissariat général aux questions juives. Ça veut dire que c'est un ministère qui va faire des lois spécifiques que pour la communauté juive de France. On va vous citer quelques exemples des lois qui arrivent. Ça vient progressivement, ça vient tous les mois. On ne sait pas à l'époque, on se dit certaines lois, bon, ce n'est pas trop grave. Hein. Nos parents qui venaient de Pologne, c'était déjà en Pologne, des citoyens de seconde zone. Par exemple, ils n'avaient pas le droit d'aller à l'école, il n'y avait qu'un petit pourcentage de gens qui allaient à l'école. Ils n'avaient pas le droit de faire certains métiers, ils étaient brimés, c'était des citoyens de seconde zone. Donc quand ils arrivent en France, ben, ils se disent, par exemple, Roger va vous citer les lois, ils se disent, c'est pas grave de monter dans le dernier wagon du tramway, c'est pas grave. Eh bien si, c'est grave. Parce que dès que quelqu'un, une communauté dans un pays n'a pas les mêmes droits que les autres, ça peut conduire jusqu'à là, à Auschwitz, au camp de la mort. Alors les Juifs sont exclus de la nationalité française. On pourra vous expliquer un peu plus loin qu'ils ont fait des lois pour exclure les Juifs d'Algérie, par exemple, qui étaient français depuis très très longtemps. On les exclut de l'armée,
de la fonction publique, pas d'enseignants, pas d'enseignants, de la presse, des activités culturelles, des professions libérales. On leur confisque leur commerce, leur entreprise, ce qu'ils ont, et leurs autos, les bicyclettes, les postes de radio. On leur interdit de changer de domicile, de quitter son logement entre 20h et 6h du matin, couvre-feu pour les juifs, de prendre le métro à l'exception du dernier wagon. Comme le tramway. Comme le tramway. On les oblige à porter l'étoile jaune. Oui, voilà, je vais vous montrer ce que c'est l'étoile jaune, c'est celle de ma mère. On était obligé de porter ceci sur la poitrine, vous voyez. Et quand vous aviez cette étoile-là sur votre vêtement, si dans la rue, vous croisez quelqu'un sur le trottoir qui n'a pas cette étoile, vous êtes obligé de descendre dans la rue pour laisser le passage à celui qui n'a pas cette étoile. En plus, il y a une loi précédente où sur les cartes d'identité, on applique le tampon juif. Si vous vous faites arrêter dans la rue, il y a souvent des arrestations, surtout à Paris et dans les grandes villes, mais la preuve à Nice aussi. Si vous avez sur votre carte d'identité le tampon juif et que vous n'avez pas cette étoile qui est cousue sur votre poitrine, immédiatement vous êtes arrêté. Alors, les enfants comme nous, on n'était pas obligé de porter cette étoile qu'à parce que c'était à partir de 7 ans, et nous avions moins de 7 ans à cette époque-là. C'est pour ça que je vous dis, c'est celle de ma mère. Alors, on est interdit de fréquenter les restaurants, les cafés, les cinémas, les salles de concert, les marchés, les foires, les piscines, les bains-douches municipaux, les terrains de sport, les champs de course, les musées, les bibliothèques, les cabines téléphoniques, les magasins, sauf entre 15 et 16 heures, et interdiction, nous étions interdits des hôpitaux. Donc, pourquoi tout cet arsenal ? Pour nous affamer, pour nous mettre plus bas que terre, et il y en a qui en ont profité, hein, parce que quand on vous confisque vos commerces, vos biens, ça va à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il est un bon à rien, comme vous disiez à cette époque. Les ariens, c'était ceux qui n'étaient pas juifs. Voilà, donc, rapidement dit, ce qui se passait à Nice. Alors, à Nice, c'était un pays de délation, hein, on dénonçait beaucoup. Il y avait la milice qui avait été créée ici par un marchand de meubles. Non, pas un transporteur. Transporteur. Darlan, il s'appelait Joseph Darlan. Voilà. Bon, il faut savoir que dans le département des Alpes-Maritimes, 3602 personnes ont été arrêtées et envoyées dans les camps. Quelques-uns sont revenus, notamment Madame Simone Veil. Leur nom est inscrit pour que vous sachiez, si vous voulez vous déplacer, au château, ici, à Nice, en face du cimetière juif d'ailleurs, il y a un mur des noms des personnes déportées. Tous, sans exception. Et ça, grâce aux travaux de M. Klarsfeld, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, ça, c'est mon histoire rapide, hein, c'est vrai. Parce que bon, Attends, mais parle d'Isieux aussi. Oui. Il faut parler d'Isieux. Oui, je veux bien parler d'Isieux. Quand ma famille a été raflée, ma maman nous avait fait partir, je vous l'ai dit. Et puis de Lyon, on a été cachés à l'archevêché, chez le cardinal Gerlier, le primat des Gaules, le chef de la chrétienté en France, très peu de jours. Puis on a été pris en charge par des organismes de résistance clandestins, juifs, qui nous ont, mon frère et moi, amené à être dans un village qui est dans le département de l'Ain et qui s'appelle Izieux. I-Z-I-E-U. Rappelez-vous bien de ce nom, parce que c'est un symbole formidable. À Izieux, mon frère et moi, on est arrivés, on a trouvé, mon frère a reconnu un garçon, c'était un cousin germain. On était venus à deux, on était trois. Et puis mon frère trouvait qu'on n'était pas bien.
Et pourtant, on y était très bien. On mangeait bien, il y avait un bon environnement, le confort était juste ce qu'il faut. On faisait la toilette dehors, auprès d'une fontaine, il n'y avait pas d'eau chaude, hein, etc. Enfin, c'était bien. C'était mieux que où nous avions été auparavant. Et malgré tout, mon frère avait décidé qu'il fallait partir de cet endroit. Donc, je vous rappelle qu'il a 12 ans. Il écrit à l'oncle qui est à Lyon. Puis l'oncle, il y a un code entre eux. Ils ont décidé que si ça n'allait pas bien, mon frère écrirait « Roger n'est pas sage ». C'est moi. Ce qui n'était pas vrai, évidemment. Et l'oncle a compris tout de suite. Malgré sa jeunesse aussi, il nous a fait revenir à Lyon. Et là, on a appris bien après la guerre, que tous les enfants de la maison Vizieux, il y en avait 44, ont été arrêtés. Il y avait des petits de 5 ans. Et ils ont tous été exterminés, assassinés. Donc, mon frère et moi, on a échappé à cet endroit, mon cousin aussi. Donc, on a été, par la providence, je ne sais pas comment on peut dire, hein, sauvés, encore une fois. À Nice, on est parti juste à temps. À Isieux, on est parti juste à temps. Voilà, Isieux, c'est le symbole de la déportation des enfants juifs de France. C'est un monument national. Ils se visitent et il y a des enseignants qui emmènent des élèves. Il y a des ateliers de travail très intéressants. Si vous en voulez savoir plus, on vous le dira. Voilà, alors, moi je vais vous raconter mon parcours. Mes parents venaient de Pologne, comme ceux de Roger, parce que, on vous l'a dit, c'était des citoyens qui n'avaient pas le même droit que les autres. Et venir en France, c'est formidable, parce qu'on entendait parler de la France. La France, c'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme, c'est le pays de Victor Hugo, c'est le pays d'Émile Zola, c'est le pays où on peut pratiquer la religion que l'on veut, et on n'est pas pour cela, on a les mêmes droits que les autres. Donc c'est formidable, on peut aller à l'école en France. Donc ils viennent en France en 1930, j'ai une sœur qui a 4 ans de plus que moi, et moi j'arrive avant la guerre. Avant la guerre, alors, donc, on vit à Paris. Et mes parents travaillent, et puis ils ont demandé leur naturalisation. Ils veulent vivre en France, France, pays de la liberté, hein, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Le 14 mai 1941, le maréchal Pétain est déjà venu au pouvoir, mon père reçoit une lettre qu'on appelle le billet vert, parce que tout simplement, elle est de couleur verte. Vous êtes prié de vous présenter au commissariat de police le plus proche de votre domicile. Il n'a rien fait de mal, il n'a pas tué, il n'a pas pillé, il n'a pas volé. Il y va. Immédiatement, il est arrêté et on l'emmène dans un camp d'internement. Le hasard fait que c'est le camp de Pithiviers, le même que où est passé le père de Roger. On se connaissait pas, hein, on s'est connu à Nice il y a une vingtaine d'années avec Roger. On habitait le même quartier à Paris, mais on se connaissait pas. Donc mon père va rester là dans un camp d'internement là de Pithiviers, et puis un matin, le 17 juillet 1942, on les met dans un train. Des wagons à Bessiaux, wagons de marchandises, ils vont voyager comme le père de Roger, 3 jours, 3 nuits, et ils arrivent à Auschwitz. Là, le camp de la mort, ils arrivent là. Pendant ce temps-là, nous, on habite à Paris, ma mère, ma sœur et moi. Le 16 juillet 1942, c'est une date importante, c'est la date de la rafle du Veldiv. C'est la première fois qu'il y a une rafle gigantesque à Paris. Il y aura 13 000 personnes qui vont être arrêtées, dont 4 000 enfants, simplement parce qu'ils sont juifs. Et ça s'appelle la rafle du Veldiv parce qu'ils vont être amenés au Vélodrome d'Hiver, qui est un stade fermé. À chaque fois qu'il y a une arrestation de masse, on met toujours les gens dans des stades de sport, des endroits de sport, parce que
Il y a peu d'entrées et peu de sorties, donc c'est facile à garder. Donc on est arrêté à 6 heures du matin, des gendarmes français, des policiers français tapent à la porte et disent à ma mère, voilà, il y a un autobus qui nous attend en bas, fais des paquets et il faut monter dans l'autobus. On n'a pas le choix, on descend et on va monter dans l'autobus. On monte dans l'autobus, c'était un autobus avec une plateforme arrière, donc comme il y avait à l'époque, on entrait et on sortait par le même endroit. Donc facile à garder, il y a un policier qui nous garde. On monte dans l'autobus, ma mère qui voit qu'il y a beaucoup d'enfants, puisque c'est la première fois qu'on arrête des enfants, des petits, des bébés aussi. Elle voit aussi qu'il y a des personnes âgées dans l'autobus. Elle voit même des personnes handicapées. Elle comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand la police arrête des enfants, des bébés, des personnes âgées, même des personnes handicapées, elle se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle va voir le policier qui le garde et elle lui dit « il faut que je monte chercher des paquets parce que j'ai encore des paquets à prendre ». Le policier lui dit « vas-y, je garde les enfants ». Ma mère lui dit « non, j'ai beaucoup de paquets à prendre, il faut que les enfants viennent m'aider ». Le policier lui dit « vas-y, dépêche-toi parce qu'on t'attend pour partir ». On habitait à ce moment-là à Paris, dans une maison, comme il y a des vieilles maisons à Nice, particulièrement dans le Vieux-Nice, rue Bonaparte, par là, ou dans le Vieux-Nice. C'est-à-dire, il y a une maison, il y a une cour intérieure, il y a une autre maison, une autre cour intérieure, et encore une troisième cour intérieure. Alors, bien entendu, on va se cacher dans la troisième cour intérieure, on reste caché dans la cour. Et on attend l'après-midi que les autobus s'en aillent. Et bon, les autobus s'en vont, on sort de notre cachette et on va dans le métro à Paris. Parce qu'à ce moment-là, à cette époque-là, le métro fermait la nuit et les gendarmes et les policiers ne descendaient pas dans le métro pour contrôler les gens, pour voir pour faire des rafles. Donc on reste une semaine dans le métro, avec des conditions d'hygiène et alimentaire pas terribles, mais ce n'est pas ça le principal. Le principal, c'est de ne pas être arrêté, parce que toujours ma mère a dans l'idée que d'arrêter les enfants, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on reste une semaine, et on entend parler d'un passeur, ma mère entend parler d'un passeur. Un passeur, c'est quelqu'un qui vous fait franchir une frontière illégalement, puisque la ligne de débarcation qu'on voit là, c'était une frontière. Donc, ma mère entend parler d'un passeur, elle a une bague, elle la donne au passeur, et une nuit, on nous amène ici, c'est au bord de la Saône, une rivière. La rivière au nord, c'est la zone occupée. Au sud, on traverse la rivière, c'est la zone libre, libre. Libre, ça veut dire liberté. À ce moment-là, ça ne voulait pas dire liberté, puisque dès qu'on a franchi la rivière, le passeur a disparu, on ne saura jamais ce qu'il est devenu. Et on est arrêté, ma mère, ma sœur et moi, par des gendarmes français. En zone libre. On nous met dans un camion et on nous emmène ici, c'est à côté de Perpignan, c'est un camp d'internement aussi. Il faut savoir que des camps d'internement, il y en avait 150 en France à ce moment-là. Alors un camp d'internement, bien sûr, on est gardé par des gendarmes français, des policiers français, il y a des chiens aussi qui nous gardent, il y a des fils de fer barbelés. Et dans tous les camps d'internement de France, au fond du camp, on vous citera le plus près d'ici, c'est le camp des Milles, là à Perpignan, il y avait au fond du camp une voie ferrée avec des wagons, pas des wagons de voyageurs, des wagons de marchandises, des wagons aussi à bestiaux. On mettait, tous les quatre jours, il y avait dans ces wagons, on mettait des hommes, des femmes, des enfants.
On fermait les portes de l'extérieur, puisque dans ce wagon, les gens étaient debout avec dans un coin fût pour avec de l'eau pour boire un peu, dans un autre coin, dans l'autre coin, un fût pour faire des besoins. Et le train partait. Les portes fermées de l'extérieur, le train partait. On ne savait pas où il allait. On ne savait pas du tout où il allait. Mais 4 jours après, le train revenait, les portes grandes ouvertes, vides, complètement. Il n'y avait plus personne dans les wagons. Ma mère, de nouveau, se disait, on prend des enfants, des femmes âgées, des hommes âgés, même des personnes qui peuvent à peine marcher, et on les emmène dans un train qui voyage. Et puis il revient vide. Elle comprend aussi qu'il y a quelque chose de pas normal. Elle pense qu'il n'y a pas normal. On est à Perpignan, là au sud. Ma mère avait une amie qui habitait à Toulouse, c'est à côté. Elle réussit à la joindre parce que dans le camp, pour donner le change, il y avait un bureau de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, ça donne confiance, hein. On se dit, la Croix-Rouge, on risque rien, on est protégé. La Croix-Rouge, c'est pour aider, hein. C'est pas pour faire du mal, c'est plutôt pour faire du bien. Grâce à cette personne, elle joint une amie qu'elle avait à Toulouse. Elle lui dit, essaye de faire sortir les enfants, on est au cœur de Rivesaltes. Cette amie va voir un cultivateur qui livrait des pommes de terre dans le camp de Rivesaltes. Et une nuit, les enfants au camp de Rivesaltes étaient séparés des adultes, mais moi j'avais ma sœur. Et une nuit, on tape à la porte, ma sœur avait été prévenue, et donc on sort de la baraque où on était, on nous met au fond d'une charrette tirée par un cheval, du foin par-dessus, et on sort du camp. On va être pris en charge par une organisation qui s'appelle l'OSÉ, dont parlait Rocher. C'est des jeunes qui ont compris que sauver les adultes, ça serait difficile. Mais sauver les enfants, ça serait peut-être possible parce qu'on pouvait passer pour les enfants de quelqu'un d'autre, étant donné qu'on n'avait pas de carte d'identité. Alors, dès qu'on est sorti du camp, pour moi, ça a été le drame parce que on emmène ma sœur d'un côté et moi d'un autre côté. Et ça, j'avais déjà plus mon père ni ma mère et ma sœur. Pour moi, c'était le plus difficile. Ma sœur va partir de ce côté-là, dans le département du Gers, dans une famille où il y avait une petite fille déjà qui avait 1 an de plus qu'elle. Elle va passer pour la sœur de cette petite fille. Elle va aller à l'école. Elle va même aller à la messe pour faire croire qu'elle n'est pas juive, qu'elle est catholique. Et elle va rester 2 ans et demi là, chez cette femme avec cette petite fille. Et elle va être sauvée. Moi, de mon côté, on m'emmène par ici, dans le Tarn, par ici, de l'autre côté, dans des fermes. Alors, pourquoi des fermes? Parce que des fermes, c'était pas des routes goudronnées qui conduisaient à ces fermes, c'était des routes en terre. Et ceux qui nous pourchassaient, ceux qui voulaient nous arrêter, ils circulaient en moto. Alors, dès qu'il y avait un bruit de moto, on m'envoyait me cacher. Dans un poulailler, dans une cave, dans un grenier, dans un bois, s'il y en avait un à côté. Donc, là, de ce qui me reste, j'ai passé 2 ans et demi dans différentes fermes. Alors, il me reste plusieurs choses. D'abord, il ne fallait pas que je parle, parce que ma langue maternelle, ce n'est pas le français. Ma langue maternelle, c'est ce que parlaient nos parents, c'est le yiddish. Le yiddish, c'est une langue qui est dans tous les pays d'Europe de l'Est. C'est la langue que parlaient les Juifs. C'est pas l'hébreu. Ça s'écrit avec des lettres hébraïques de droite à gauche, comme l'arabe. Mais c'était une langue qui était, disons, décidée puisqu'ils n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Donc, ils ne pouvaient pas apprendre pour la plupart le polonais. Donc, ils parlaient en yiddish, et c'est une langue, c'est ma langue maternelle que je parle toujours, et tout à l'heure je vous dirai quelques mots en yiddish. Donc il ne fallait pas que je parle. Après, dès qu'on entendait une moto, il fallait que j'aille me cacher.
C'est pour ça que nous, on nous appelle, après la guerre, les enfants cachés, parce qu'il fallait qu'on se cache. On m'avait fait comprendre qu'il ne fallait pas que je voie un uniforme parce que c'était mauvais pour moi. Alors il reste ça, il reste la peur. Il reste aussi l'injustice. L'injustice pour un enfant, c'est ce que je vais vous expliquer. Quand vous êtes dans une ferme enfant, si vous avez eu l'occasion de vivre là quelque temps, vous faites des petits travaux. On va donner à manger aux cochons, les épluchures. On va trier les légumes, on va chercher des œufs au poulailler. S'il y a une vache, on l'amène au paître. Donc on fait les petits travaux, mais c'est normal, hein, c'est pas exceptionnel. Dans toutes les fermes, à cette époque-là, les enfants aidaient les parents. Sauf que pour moi, je faisais la même chose que les enfants des fermiers, mais quand venait l'heure des repas, quelquefois, pas toujours, mais souvent, ils avaient davantage à manger que moi. Et ça, je ne comprenais pas pour quelle raison on faisait la même chose. J'avais le même âge qu'eux, on allait faisait ce qu'il fallait faire. Eux, ils avaient plus à manger que moi. Bon, ça a duré pendant 2 ans et demi, mais si vous voulez, des choses comme ça reste pour longtemps, longtemps, longtemps. Ça dure 2 ans et demi, différentes fermes, et puis la guerre est finie au mois d'août-septembre 1944. On me ramène à Paris, on me met dans une maison d'enfants, et là, il va se passer plusieurs choses. Il va se passer d'abord, ma sœur arrive. C'est quelque chose de formidable, elle a survécu, je revois ma sœur que je n'avais pas vue pendant 2 ans et demi, c'est formidable ça. Il se passe encore quelques semaines, 3 semaines, ma mère arrive. Ma mère arrive parce qu'il y avait une loi quand elle était au camp, après nous, au camp de Rivesaltes, qui disait les personnes qui ont des enfants français peuvent sortir du camp. Donc, ma mère a profité de cette loi, aidée par la Croix-Rouge qui était là-bas, puisqu'on est né en France et déclaré français, elle sort du camp. Mais 15 jours après, il y a une loi qui sort. Vous savez, toutes les lois sont peut-être au CDI, vous devez en avoir. Il y a le journal officiel, c'est le journal de la France, où il y a toutes les lois. Ma sœur et moi, on a droit à une demi-heure, à une demi-page, pardon, à une demi-page de ce journal. Alors, il est écrit, on l'a retrouvé le journal après la guerre. Le maréchal Pétain, le président du Conseil Laval, le ministre des Armées, le ministre de la Police, le ministre. Différents ministres, une demi-page, vu les lois, ainsi de suite, etc. Enlève la nationalité française à ma sœur et à moi. Et il y a un motif pour on nous enlève la nationalité française. Ma sœur a 9 ans, j'ai 5 ans. Peuvent être dangereux pour la France. Peuvent être dangereux pour la France. Et ordonne bien sûr à toutes les polices et gendarmeries de rechercher ces enfants. Alors pourquoi on nous enlève la nationalité française? Parce que jusqu'à fin 1942, on ne déportait que les juifs étrangers. Donc on voulait qu'on redevienne étranger pour pouvoir nous déporter. Mais heureusement, on était déjà cachés et donc bien sûr, on ne nous a pas trouvés. Ça faisait partie des lois donc, aussi que Roger vous a cité. Il se passe encore 5 mois et puis arrive le 9 mai 1945. La date est très précise parce qu'elle est marquante pour moi. C'est un jeudi. Un jeudi, on n'allait pas à l'école à cette époque-là, le jeudi. Oui, j'ai oublié de vous dire que quand je suis arrivé à Paris, dès que ma mère est revenue, pour moi, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel, c'est d'aller à l'école. J'étais jamais allé à l'école. Et à l'école, il y a quelque chose de formidable. Il y avait l'école des garçons, l'école des filles. Dans la classe où on était, le maître, l'instituteur, distribue un crayon. Il le donne à tout le monde, même à moi. Il distribue un livre, alors que je ne savais pas lire ni écrire. Il le distribue à tout le monde et même à moi. Il distribue un cahier à tout le monde. Et aussi, c'est la première fois que j'étais traité, si vous voulez, comme les autres enfants. En plus, cet instituteur, c'est pour ça que l'école, c'est quelque chose de formidable,
Cet instituteur, il y avait deux autres enfants comme moi qui ne savions pas lire et écrire et qui ne parlions pas français. On était trois. C'était des classes un peu plus grandes que les vôtres. C'était des classes à 50 élèves à peu près. Et garçons et filles séparés. Et cet instituteur, pendant 6 mois, il nous a gardés 1 heure après la classe pour nous faire rattraper le retard qu'on avait eu pendant la guerre de ne pas savoir parler, lire et écrire. Et cet homme-là, ce qu'il a fait, ça porte un nom qui est employé maintenant, mais qui signifie bien ce qui est ceci, c'est la résilience. La résilience, c'est ceci. Quand vous êtes, vous vivez une enfance difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, mais que vous êtes obligé, dès que vous voyez quelqu'un qui lève le bras, vous faites ça parce que vous avez peur qu'il vous frappe, que vous vivez vous croyez être entouré d'ennemis, puisque vous avez peur, on vous dit de vous cacher, on vous dit de ne pas parler, on mange un petit peu moins que les autres, et que vous rencontrez un homme qui lui fait plus que ce qui est normal, il vous veut du bien, il veut vous aider à vous en sortir. Il veut vous aider à lire, à parler français, à écrire. Eh bien, cet homme-là, ça vous redonne confiance dans l'humanité. Vous croyez que tout le monde est mauvais? Ben non. Il y a quand même des gens qui sont autres et qui veulent un peu plus vous aider. Donc, c'est grâce à cet instituteur que on a pu, disons, vivre à peu près, disons, plus facilement. Donc, il se passe encore 5 mois, et le 9 mai 1945, c'est un jeudi matin, on ne va pas à l'école le jeudi, on tape à la porte où on habitait dans la chambre avec ma mère et ma sœur. Il y a deux hommes normaux qui encadrent quelque chose. Ça a l'air d'être un fantôme, un squelette. Il ne tient pas debout, les autres le soutiennent. Et on me dit, c'est ton père. J'ai dit, non, ça, c'est pas un père. C'est rien, c'est. Je ne l'avais pas connu, puisqu'il était parti quand j'avais moins de 2 ans. Il ne pouvait pas dormir dans un lit, parce que c'était mon père qui avait passé près de 3 ans à Auschwitz. Il dormait. Il ne pouvait pas dormir sur un matelas, il dormait par terre. La nuit, il criait. Il criait pas sur ce qu'il avait subi, sur ce qu'il avait vu là-bas. Si on mangeait un peu de pain et qu'il y avait des miettes de pain sur la table, il regardait les miettes de pain, il regardait autour de lui si personne ne le voyait, et d'un seul coup, il prenait les miettes de pain et il les mettait dans cette poche. Les miettes de pain, de là où il venait, c'était un jour de survie. Tellement ils étaient mal nourris, maltraités. Alors bien sûr, physiquement, il s'est remis. Il est allé passer quelques mois dans une des fermes d'ailleurs où j'étais caché. Voilà. Et puis ensuite, il est revenu. Physiquement, il est normal. Mais mentalement, il n'est jamais sorti de là-bas. Il n'est jamais sorti parce que ce qu'il avait subi d'abord après la guerre, il essayait de raconter, on ne le croyait pas, mais on dit c'est pas possible. Des hommes éduqués, des femmes éduquées qui jettent des bébés dans la chambre à gaz, dans le four crématoire, c'est pas possible ce que vous racontez. Ce que vous racontez, qu'on vous battait pour un oui, pour un non, on vous maltraitait, on vous torturait, on torturait des enfants devant vous, il y avait des expériences médicales atroces. Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc on ne les croyait pas. Donc ils se sont tués pendant quelques années. Sauf Roger vous parlera du livre de son père qui savait écrire, qui était allé à l'école, et lui il a raconté. Il a vécu à Nice sur la fin de sa vie, mon père, et il est décédé il y a une vingtaine d'années. 15 jours avant son décès, ma sœur et moi on était auprès de lui. Il disait. Je ne comprends pas comment le monde a pu laisser faire cela. Ça veut dire que mentalement, tout comme Simone Veil dont on parlait, ils sont toujours restés dans le camp parce que s'ils avaient
pas vécu, mais survécu, si vous voulez. C'était quelque chose d'inimaginable. Et il y en a beaucoup qui ont dit « il faut que je vive », dont Simone Veil disait aussi, d'autres, qu'il faut raconter, il faut que les gens sachent, il faut que les gens sachent ce qui s'est passé. Nous, à notre modeste échelle, on continue à venir voir des collégiens, des lycéens, pour raconter ce que s'est passé, pour que ça n'arrive jamais plus. Voilà.